Bonjour à tous, je m'appelle Vaya Priyar et je fais cette petite vidéo d'introduction pour vous annoncer que j'ai pris la décision de créer une nouvelle chaîne YouTube qui s'intitule Écoute et prête l'oreille. C'est une chaîne YouTube que j'ai voulu créer afin de pouvoir partager mon amour des écritures et notamment du programme Viens et suis-moi que nous suivons depuis déjà 2 ans maintenant, 3 ans, pardon. Et suite aux encouragements de mon entourage, je souhaiterais créer cette chaîne YouTube pour pouvoir partager ce que j'apprends, ce que je découvre semaine après semaine dans mon étude de Viens et suis-moi. Je n'ai pas la prétention de dire que je sais mieux que quiconque. Tout ce que je voudrais, c'est tout simplement être en mesure de partager avec chacun d'entre vous ce que je découvre dans mon étude personnelle, ce que j'apprends, qui fait qu'aujourd'hui je me fais un véritable festin des Écritures, festin que je voudrais partager avec chacun d'entre vous. Alors pour cette raison, j'aimerais vous inviter à me soutenir et à m'encourager en partageant ces vidéos que je vais poster au fur et à mesure des jours et des semaines et à les liker. À pouvoir partager avec les membres de votre famille, avec les membres de votre paroisse, avec vos amis de l'église, avec l'espoir que peut-être ces vidéos pourront fortifier leur témoignage et leur connaissance de l'évangile. Je souhaiterais à travers ces vidéos pouvoir vous transmettre cet amour que j'ai des Écritures, cet amour que j'ai de l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ avec chacun d'entre vous. Et je prie que vous puissiez être édifiés par ces vidéos. Je prie pour pouvoir être guidés de manière à pouvoir répondre à certaines de vos attentes, à certaines de vos espérances, à certaines de vos questions. Mais mon but principal dans ce que je désire faire, c'est tout simplement partager avec vous ce que je découvre, ce que j'apprends à aimer et ce qui m'aide chaque jour à devenir meilleur. Alors, je compte sur votre aide et sur votre soutien et je vous dis à bientôt.